Jean Messia, peut-on réconcilier la France et l'Algérie? Et Emmanuel Macron y va-t-il pour cela? Bah, écoutez, ça dépend surtout de l'Algérie, puisque je pense que depuis maintenant la fin, fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, la France n'a cessé de faire des pas en direction d'une normalisation des relations. On a toute cette politique de repentance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Emmanuel Macron interpelle ce jeune qu'on a vu dans le reportage lors de sa première visite, qui dit que vous avez pas, on n'a pas connu la colonisation, qu'il faut regarder vers l'avenir. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile de regarder vers l'avenir quand on arrête de parler du passé. Or, Emmanuel Macron, avec sa politique de génuflexion mémorielle permanente, il ne fait que ramener les relations dans le passé. Je sais qu'Emmanuel Macron va nous demander effectivement de regarder, enfin de porter un regard lucide et repentant sur la colonisation du Maghreb et de l'Afrique noire par la France. J'aimerais aussi que lui-même jette un regard lucide et repentant sur la politique, enfin la colonisation progressive de la France par le Maghreb et l'Afrique noire en ce moment. Voilà, donc à un moment, si vous voulez, il faut équilibrer les choses. Il dit qu'il faut. L'équilibre, c'est la caractéristique première de Jean Messia. Si je puis permettre, vous pensez vraiment que vous connaissez l'équilibre de Jean Messia. La colonisation de la France par le Maghreb. Effectivement, plutôt que de parler de la colonisation de l'Algérie par la France. La colonisation, c'est quand même un fait historique. Qui est très important, la colonisation Vous avez parfaitement raison. Le Maghreb est en train de coloniser la France. La colonisation. Politiquement parlant. La colonisation du Maghreb par la France a apporté au Maghreb des infrastructures routières, ferroviaires, la santé, l'éducation, etc. La colonisation est un mot un peu fort, convenez-en quand même, Jean-Messia. Que l'afflux migratoire en provenance de ces régions en France nous apporte autant que la France a apporté à ces régions pendant plusieurs dizaines d'années. Sur la colonisation de la France par le Maghreb, c'est peut-être un peu exagéré, si vous me permettez, Jean-Messia. L'équilibre. On parle de la colonisation parce que quand vous voyez le comportement de l'Algérie par la France il y a quelques années, qui reste un fait historique lourd, et ensuite, là, parler de colonisation de la France aujourd'hui, c'est quand même dur. Avec tout le respect. Mais il est réciproque, Jean, si je peux me permettre. On passe ici, sur ce plateau et ailleurs, des heures à parler de l'insécurité et du lien entre l'ensauvagement de la France et certaines immigrations. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a fait. Donc, il ne faut pas faire semblant de ne pas voir, si vous voulez. Non, je ne fais pas semblant. C'est juste la sémantique et le choix des mots, Jean Messia. Déforme. C'est pas faire semblant. C'est juste France, le choix des mots. Parler de colonisation est un mot un peu fort, je me permets de vous le dire. Après, vous avez la responsabilité de vos propos. Je termine. Il n'y a aucun problème. Nous sommes en direct. Vous pouvez vous exprimer. Et après, je passerai la parole. Allez-y. Je termine en un mot en vous disant que nous avons sur notre territoire des millions de personnes qui ont un comportement néocolonial, qui se comportent en France avec un esprit de revanche. D'ailleurs, il suffit de les entendre. Et donc, effectivement, le choix que j'ai fait du mot colonisation n'est pas hasardeux. Il y a dans la mentalité d'énormément de personnes qui vivent en France, et même des descendants d'immigrés, effectivement, une politique et une volonté de revanche sur la France. Il n'est pas hasardeux, c'est le Covid. Ben, j'en sais rien. Enfin, quand on a le Covid, on ne voyage pas. Mais par contre, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est l'absence totale de réaction du grand rabbin à tous ces messages antisémites exprimés au plus haut niveau par des institutions, ou en tout cas des opposants algériens, notamment les frères musulmans, etc. Je me souviens que le grand rabbin Haïm Korsia n'avait pas eu sa langue dans sa poche pour traiter Éric Zemmour d'antisémite. Je ne l'ai pas entendu faire usage de ce terme, alors même qu'il reçoit quand même un certain nombre de messages pour le moins choquants de la part de représentants de certaines organisations algériennes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis totalement en désaccord avec cette histoire de crime contre l'humanité. La France n'a aucune repentance à avoir vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous avez, en matière de relations... C'est pas une question de repentance, transparence historique. Non mais attendez, nous avons en France des dirigeants qu'on pourrait appeler les repentis. Ils se comportent en fait comme si ça avait été d'anciens mafieux qui maintenant sont repentis et disent on va coopérer. C'est un pur scandale. L'Algérie a commis, le FLN a commis un véritable nettoyage ethnique après la signature des accords d'Évian. Ils n'ont pas eu un seul mot et ils en font un point d'honneur à ne jamais reconnaître le moindre excès, le moindre crime, le moindre écart, parce qu'ils estiment à juste titre que le faire serait les affaiblir internationalement et dans la relation bilatérale. Il n'y a que nos élites qui
adorent être inféodés, qui adorent s'aplatir, qui adorent battre leur houlpe et qui adorent faire de la France un pays affreux. Vous avez pu exprimer votre point de vue, Jean Messia, mais vous avez fait, comme vous le faites habituellement de manière très très habile, vous avez déplacé le débat. Puisqu'on était sur Raïm Korsia, oui. Mais je rejoins ce que disait Jérôme Dubus sur l'absence de réaction, pour le coup, des autorités françaises face à ce déferlement de messages antisémites, notamment de la part du représentant des frères musulmans algériens. Mais je crains, si vous voulez, que les progressistes, entre guillemets, prolongent à l'international ce qu'ils pratiquent déjà en France, c'est-à-dire que l'antisémitisme serait sinon permis, du moins un peu acceptable, et on ferait carpet en l'écoutant, dès lors qu'il vient de la diversité et qu'il vient d'autre chose que de Skinhead ou de l'extrême droite tel qu'il la fantasme. Le sentiment voilà. du président de la République. L'antisémitisme qu'il y a dans les cités, personne n'en parle. Parce qu'il provient de la diversité. Toutes les haines sont permises dès lors qu'elles reviennent de la diversité. Et donc, le progressisme qui dirige la France exporte en quelque sorte son idéologie nationale à l'étranger en acceptant. Il serait allé en Suède, par exemple, et vous auriez eu un regroupement néo-fasciste qui avait fait la même chose avec le grand rabbin. Soyez assurés que là, le gouvernement français aurait même peut-être été capable d'annuler sa visite. Mais là, s'agissant de l'Algérie, alors là, l'aplatissement est de règle. Le gouvernement français défend l'antisémitisme, vous avez raison. Défend la cause contre l'antisémitisme, matin, midi et soir. Les lapsus sont révélateurs. C'est lamentable de dire ça et faire cette comparaison. Les lapsus sont révélateurs. C'était prévu. C'est une réponse. C'est une réponse ponctuelle à ce que vous disiez. Dans quel autre. Non, mais attendez, monsieur Dubus, un instant. Non, mais soyez. De ne pas lutter contre l'antisémitisme. Soyons raisonnables un instant. Dans quel autre contexte, excusez-moi, dans quel autre contexte de tels messages auraient été proférés sans que ça n'indigne immédiatement tous les corps constitués en France? Mais je vous dis qu'il faut qu'on réagisse. Donc arrêtez. Il y a eu par le passé des insultes brutales, violentes, antisémites. Mais à chaque fois, on a des insultes homophobes, racistes, antisémites. L'ensemble des corps constitués médiatico-politiques réagissent. Vous avez des propos qui sont spécieux, c'est-à-dire que comme vous êtes éloquent, ils ont l'apparence de la vérité, sauf que c'est totalement faux. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous le dire. Je prends vos compliments. D'accord. C'est pas un compliment, c'est la vérité. Je pense vraiment. Je prends votre compliment. Mais c'est spécieux. Mais je crains que sur le fond, vous n'avez rien ajouté à ce que j'ai dit. Par contre, ceux qui effectivement ont dit que le régime de Pétain et le régime de Vichy n'était pas antisémite ou avait sauvé personne des Juifs. Personne n'a dit ça, c'est dans votre délire ça. Il y a un candidat à la présidence de la République qui l'a dit. Ils l'ont même écrit. Jean Garrigue, ne confondez pas des débats historiques et des débats entre historiens. Avec des débats politiques. Mais Éric Zemmour n'est pas un historien. L'antisémitisme, il l'était. C'était un candidat à la présidentielle. C'est en tant qu'éditorialiste qu'il avait écrit ça. Je ne suis pas là pour défendre. Il a déclaré ça pendant sa campagne. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plutôt que de vous acharner sur l'antisémitisme d'il y a 200 ans ou d'il y a 100 ans, vous avez des combats contre l'antisémitisme à mener aujourd'hui et pour lesquels vos épées sont émoussées. Mais c'est pas vrai. C'est faux. On va marquer.